Et donc, yo tout le monde, c'est le consortium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, oups, donc. Attends, le son, je règle. Un peu trop fort maintenant. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, les gens, c'est qu'on va apprendre sur Terraria PC. Oui, je me le suis acheté, je crois, il y a 5 jours, ouais, 5 jours. Donc là, c'est mon petit monde. Là, je suis bien petit, je suis bien avancé et tout. J'ai mes petites bêtes. Donc, attends, j'ai même oublié de les invoquer. Donc, 3, 4. Donc, si vous voulez savoir, eux, c'est les plus fortes. J'ai juste vite fait faire un petit tour de mon inventaire. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit inventaire. Tac, 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 tac. Meilleure épée du jeu, meilleure lance du jeu, meilleure pioche du jeu, meilleur marteau du jeu, meilleur tireur du jeu. Ça, c'est un truc, ça, c'est une invocation, regardez. C'est un truc qui défend, en fait. Comme ce que j'avais sur PS4, sauf que c'était un truc d'araignée qui tirait. Donc ça, c'est juste un pistolet, parce qu'en fait, j'aime pas trop gaspiller mes balles de là-dessus. Ça, c'est mon petit spectre. Ça fait 82 de dégâts, c'est beaucoup. Après, là, sur cette version-là, t'as là, ça, c'est un yo-yo. J'ai le meilleur yo-yo, regardez, petite démonstration. Voilà. Bon, sinon, après, mais il est pas vraiment comme ça, sinon... Mais bon, alors, tac, 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 il y avait quoi ici? Il y avait... Ah oui, et c'est aussi le portail que j'ai oublié de vous présenter. Tac, ce portail-là, c'est trop bien. Il est pas du tout... C'est le portail de Portal... De Portal. Voilà, le jeu Portal. Alors, tac, donc déjà, toi, tu vas crever. Alors, comme vous voyez, là, donc, on va juste balancer ça, quelque part, je sais pas où. Voilà. Donc on voyait ici j'ai un biome champignon mais à la surface. Vous allez vous dire mais comment est-ce que t'as fait dans ton astuce et tout ça. Donc déjà pour avoir un bloc de champignon pour avoir un biome champignon, donc attendez 2 minutes. Ah c'est ça que j'ai mis à fond de mon inventaire. Donc on va. Donc d'abord il va vous falloir d'abord des blocs de boue. Ça c'est des blocs de boue, sinon après ça marchera pas. Et il va vous falloir des graines un peu spéciales. Pareil pour le biome comme ça à côté, ça c'est tout à fait la même chose, vous verrez. Je vous expliquerai. Donc on va tout de suite commencer par le biome champi. Donc on va. Tac. Ah, attends, non, on va d'abord commencer par le biome comme ça, au pire. Donc il y a 2 méthodes pour faire ce biome-là. Bon, vous pourrez le faire à la surface, par contre, vous pouvez pas faire sur une île volante avec la première façon, mais avec la deuxième façon, vous pourrez survivre. Donc, vous voyez, il va falloir des bouteilles que je n'ai pas. Ok, donc, ça va me mettre l'occasion de pouvoir vous montrer comment est-ce que ça se craft. Donc, d'abord, il va d'abord falloir des bouteilles vides. Voilà, donc, si jamais vous n'avez pas de bouteilles vides, ben, allez vous en crafter, je ne m'en veux plus trop du craft. Donc, tac. Déjà, et après, bah, il va falloir après ce PNJ-là, mais vous allez juste partir sur un serveur, puis après, bah, vous l'avez. Donc, vous allez aller dans la boutique, vous allez vous prendre ces... Donc, ça, c'est des graines d'herbe, si jamais vous voulez faire votre propre monde, ça sera pour après. Vous allez prendre des graines de sac, vous allez en prendre comme vous voulez. Moi, je vais en prendre 7, par exemple. Voilà. Voilà. Et en plus, sur PC, en plus, ils se défendent. Et c'est ça qui est bien, ça. Ils se défendent tout seuls. Bon, par contre, ça, c'est une pub, ça, vous voulez savoir. Donc, je vais juste me mettre en choucoupe volante. Alors, bah, comme vous voyez là, en fait, là, j'ai purifié presque tout mon monde. Mais j'ai pas voulu tout purifier parce que je voulais un peu en garder un peu de mon monde, quoi. Parce que si on garde pas un peu de mon monde, et bien voilà. Donc, on va vite y aller. Tac, il va falloir qu'on trouve une source d'eau. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Là, j'avance vers une source d'eau. Donc, si jamais vous voulez savoir ma playlist, je la mettrai dans la description de la vidéo. Donc, vous allez vous mettre près de l'eau, soit près de l'eau, soit dans l'eau, ce que vous voulez. Vous allez appuyer sur échappe. Sur PS4 aussi, ça marche. Et vous allez crafter une bouteille d'eau, voilà. Donc, vous allez en faire... Il faut que vous en fassiez 10, mais bon, moi, j'en ai déjà dans mon inventaire, donc je vais m'en faire que 7. Et une fois que vous en avez 10, il va vous falloir... Donc, des poudres de fées. Il est là, le craft. Il faut 2 poudres de fées. Et donc ça, voilà. Il vous faut 2 poudres de fée, 10 bouteilles d'eau et une graine sacrée. Après vous craftez, voilà. Ça va vous faire ces petites bouteilles-là et les bouteilles-là. Donc il va falloir qu'on trouve une biome non purifiée. Ça va être quand même assez facile.
Et faut savoir qu'après, il se propage tout seul un peu. Mais très, très, très de pas beaucoup même. Et après, sinon, après, il y a une autre méthode aussi qui est très, très efficace. Donc, on va essayer d'aller trouver le truc. Alors, tac, 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 tac. Donc, je vais mettre en soucoupe volante. Donc, en plus, il y a plein de nouveautés là. Il y a mon petit œil là, vous voyez, regardez. Là, j'ai un nouveau. Donc, je vais avancer en même temps. Là, j'ai mon nouveau menu. Ça, c'est mon menu un peu rapide. Quand j'appuie par exemple sur R, eh ben, ça me met en mode soucoupe volante, c'est ça. Après, j'ai un chariot spécial comme ça que quand je vais dessus, il va beaucoup plus vite. Après, c'est ce petit sbire comme ça qui s'équipe automatiquement. Enfin, à chaque fois que je vais lancer un monde, eh ben, il va automatiquement venir. Donc, il a des tentacules bizarres et tout ça. Il fait de la lumière pendant la nuit. Et il y a ça, juste, vous vous rappelez là, les petits bonhommes fantasy, là, comme ça, qui vous suit. Après, il y a une météorite, donc ça y est, ça. Et voilà, donc là, on est dans un monde non purifié. Donc, j'ai commencé à le purifier, comme vous voyez. Ça s'est un peu propagé, je suis bien contente de moi. Donc, voilà. Donc, vous allez prendre votre petite bouteille. Comme vous voyez, on va aller, par exemple, là. Vous allez prendre votre bouteille, vous allez jeter la bouteille dessus. Et comme vous voyez, c'est en train de se purifier. Ça se transforme. Après, il suffit juste après de s'en faire plusieurs. Mais je vais vous expliquer pourquoi utiliser ça. Regardez, en plus, ça colore même en plus le mur de fond. J'avais même pas fait attention à ça. Je vais vous prouver pourquoi est-ce que c'est mieux ça qu'une autre méthode que. J'ai beaucoup plus une autre méthode qui est beaucoup plus que vous allez dire que c'est beaucoup plus facile, mais en vrai c'est plus difficile parce que en fait ça se dépropage en même temps. J'ai juste un peu baissé la musique. Non, il y a tout. Voilà. Donc après ouais, non mais il y a un problème parce que là maintenant il n'en entend plus rien. Voilà. Ok, par contre, elle, c'est juste de la merde en fait. Elle, comme musique, faut pas faire attention. Ah, elle l'a bien. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que là, déjà, une fois qu'on est ici, voilà, on est bien ici, eh bien, on va aller revoir, une fois qu'on est à notre spawn, on va aller revoir la madame aux cheveux verts. Je me rappelle plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Enfin, la madame purificatrice, on va l'appeler. Voilà. Vive Madame Purificatrice. Donc, ce qui va donc se passer. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai juste un petit IP de serveur où est-ce que je me suis servi pour pouvoir aller me stuff un peu au début. Si jamais vous voulez savoir un petit IP de serveur qui est très très bien d'ailleurs comme serveur. Alors, vous arrivez ici, dans la petite maison de Nisa, elle s'appelle. Voilà. Vous allez aller dans votre boutique. Déjà, quand vous purifiez votre monde, vous allez voir que quand vous allez aller dans vos états. Il y a les pourcentages qui vont monter. Par exemple, moi, hier, elle était à 18. Ben, maintenant, c'est passé à 19. Parce que moi, j'ai mis un monde grand. Et regardez un peu la différence entre un monde grand PS4 et un monde grand. Et un monde grand PC. Il est beaucoup plus grand. Les biomes, on voit bien les biomes. On les voit bien, bien. Voilà, quoi. Il est très, très grand, le biome. On va le faire de A à Z. Donc, on va aller jusqu'à la fin. Vous allez voir que biome bleu. Grand sur PC, c'est énorme. Ça prend à peu près. Si jamais vous n'avez pas d'aile pour visiter tout le monde, ça va vous prendre à peu près 31 heures. Ça dépend de votre temps d'avance. Si jamais vous êtes du style des personnes qui ramassent tous les coffres qu'ils voient et tout. Si vous êtes le style de personne qui rush peut-être 25 minutes, 3 heures. Mais après, une fois que vous avez la soucoupe volante ou des ailes, vous allez avoir ça très très vite. Donc, on va aller dans Nisa. On va aller dans sa boutique et on va s'acheter la poudre purificatrice. Donc, les personnes, ils vont se dire, oh tiens, il y a des poudres purificatrices. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hier, avant que j'écoute la vidéo, avant que j'écoute une autre vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette poudre purificatrice. Je me suis dit, ouais, c'est bien la poudre purificatrice. En fait, la poudre purificatrice, ça transforme, vous voyez là, ce biome-là purifié. Eh bien, ça transforme le biome normal, votre biome normal de base avec les arbres de normal et tout ça, quoi, avec de l'herbe verte. Eh bien, ça, tous les biomes qui ne sont pas pareils, par exemple un biome non purifié, tous les biomes non purifiés, ils vont devenir avec de l'herbe verte et tout ça. Vous allez voir que c'est utile, sauf que dans certains biomes, c'est inutile vu qu'en fait, il y a la propagation qui s'enlève en fait à la poudre purificatrice. Elle va pas se propager en fait. Elle va rester où est-ce qu'elle est. Et de temps en temps, elle va carrément despawn. Donc du coup, par exemple, pendant un jour, vous aurez tout votre monde purifié. Et le lendemain, vous aurez
une dizaine de blocs qui seraient enlevés de la purification. Et ça, c'est très très chiant. Alors que quand on utilise la méthode avec les bouteilles, ça va beaucoup plus vite parce que ça ne se dépurifie pas. Voilà, c'est ça après la méthode. Sinon, après, il y a pour le truc. Ah non, 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 je vais rien dire. Donc après. Après, on a après une nouvelle armée sur PC, éventuellement. Donc, tac, on va relancer ça à la poubelle. Et ça, en plus, on peut servir de ces objets pendant qu'on est dans son inventaire. Ça, c'est bien ça. Je peux pas dire, mais bon. Alors, ce qu'on va faire. Enfin, alors, maintenant, il y a déjà plusieurs nouveautés sur PC. Il y a des snipers. Il n'y a pas exactement sur PS4. Il y a des médaillons de la défense. En fait, il y a une armée ancienne. Ça s'appelle comme ça, une armée ancienne. Et en fait, cette armée ancienne, ce qui se passe, c'est des gros golems et tout ça, qu'en fait, qui arrivent par. Comment ça s'appelle? Qui arrivent par des portails et qu'en fait, eh bien, ils veulent détruire un cristal. Vous verrez ça. Je montrerai peut-être ça dans un autre épisode. Voilà quoi. Après, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a les portails et tout. Et on a comment ça s'appelle? On a des caisses. Des caisses, des sacs, on peut appeler ça comme ça, des sacs. Vous allez voir, je vous montrerai ça après, dès que je ferai un retour à la base. Donc là, vous voyez, là, on est de nouveau ici. Donc, et là, regardez, on va faire le test. On va arriver par ici. On va faire, oh non, il n'est pas purifié. On purifie. Voilà, donc là, il est en train de se purifier. Mais vous allez voir, il y a des espèces de petits. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais il y a des trucs qui dépurifient en fait le monde automatiquement. Il y a le monde et il se dépurifie automatiquement, vous. Donc c'est mieux en fait d'utiliser la poudre à purification, les bouteilles à purification. Vous verrez pourquoi. Et puis c'est surtout qu'en plus, regardez, le test, c'est les poudres de purification, ça va beaucoup plus vite. Ça se propage en plus. Et en plus, eh bien, ça capture presque tout. Donc là, par exemple, là, regardez. On capture le truc, mais on ne capture pas le mur de fond. C'est-à-dire que le mur de fond, vous serez obligé de l'enlever. Vous serez obligé d'enlever le mur de fond pour pouvoir le remettre avec de la pierre, vous voyez? Et en plus, vu qu'en plus, eh bien, il va avoir le mur de fond qui va se dépurifier, vous allez voir. Ça va être très très chiant cette méthode. Donc, voilà. Donc là, on va donc faire. What? Vous avez eu un bug, un court bug. Il est marqué 40, 40 trucs, 40 miroirs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant. Donc, c'est lui qui vend l'armée ancienne. Quand vous ferez votre biome champignon, vous obtiendrez ce PNJ là. Qui vous dira, qui se rappelle plus de. Et c'est grâce à des médaillons qu'on lui achète. Il vend des armes, pas si bonnes que ça. Mais c'est ça qui m'attire. Je sais pas à quoi ça sert. Et après, vous aurez juste après à acheter ceci et le cristal. Vous combinez les deux. Vous placez le truc par terre. Vous mettez le cristal à l'intérieur. Puis après, ça va vous mettre. L'armée ancienne arrive. Voilà. Voilà. Donc, après. Donc, troisième méthode pour pouvoir mettre le monde purifié. Donc, comme vous voyez, regardez. Donc, on va prendre nos petites graines là, comme ça, nos petites graines qu'on a achetées en début d'épisode. Donc, on va se mettre en mode des trucs. Si jamais vous n'avez plus peur, vous mettez en mode grappin. Et là, regardez. Vous placez les graines et ça va se propager tout seul. Vous allez voir. Vous allez voir, ça se propage en une heure. Vous vous faites un biome facile en une heure. Moi, c'est ce qui s'est passé tout ce matin. Ça m'a fait un biome. J'ai fait même mes deux biomes en tout ce matin. Voilà, donc on reviendra à la fin de l'épisode pour pouvoir venir voir cette petite île-là. Et puis maintenant, ben, on va revenir sur l'île aux champignons. Donc moi là, j'ai fait une maison parce que pour ceux qui ne le savent pas, il va avoir. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans la baraque, lui? Casse-toi! Sa mère a dit de venir ici. Attends, je vais le casser. Parce qu'après, si jamais vous laissez la maison libre pendant la journée et tout ça, eh ben, il va avoir un PNJ qui va venir tout seul. Un PNJ champignon, c'est. Il a une tête de champignon, vous irez voir ça sur le Wikipédia. Il n'est pas très très rare à avoir, c'est rapide, c'est vite fait, c'est bien fait. Voilà, donc maintenant qu'il est parti. Alors, ce qu'on va faire. Ça, ben, il va falloir que vous trouviez un biome champignon. Donc, moi, quand on a la flemme de trouver un biome champignon. Quand. Donc, pour les blocs de boue, vous avez deux choix. Soit vous partez d'un biome de jungle. Et là, vous allez avoir une tonne de blocs de boue. Soit vous partez d'un biome champignon qui se trouve sous terre, mais il y aura un peu moins de blocs de boue, mais il y a quand même des blocs de boue. Donc là, vous prenez une arme à distance, n'importe laquelle, ou même une arme au corps à corps. Regardez, vous allez tirer par terre sur ce qu'il y a. Soit vous tirez, soit vous déglinguez. Vous allez obtenir des champignons, mais de temps en temps, vous allez obtenir des graines. Sauf que moi, là, j'ai pas du tout de chance. Pas du tout de chance. J'ai rien eu. Donc, soit on va faire, vous savez ce qu'on va faire? Non, vous ne savez pas. On va aller. On va aller dans paramètres, on va aller dans. On va plutôt détruire des arbres.
Ne vous inquiétez pas, les arbres ils repoussent tout seuls. Il suffit juste de planter des graines. Vous allez voir. Donc, tac, vous allez détruire tous les arbres, toute la map, même carrément. Moi, c'est ce que j'ai fait. Regardez. Il y avait deux biomes champignons. J'ai suivi des rails. Parce que quand vous suivez des rails, vous avez des chances. Tout ça, c'est un biome champignon. J'ai tout détruit. Et. Non, ici, c'en était un. Ici, c'en était un. J'ai détruit les deux. Sans respect, j'ai détruit les deux. Je me suis pas fait chier. Alors, en fait, ça c'est égal. En fait, ça aux arbres dans la vraie vie, vous allez voir. En haut. Donc, ouais, tous les champignons que j'ai eu. J'ai pas eu des graines encore. Non. Si jamais on trouve pas des graines, ne vous inquiétez pas, on ira sous terre et puis on creusera comme des malades. Donc, on va donc. Tac. Toujours pas. Après, c'est pas très difficile. Si même vous voulez en trouver facilement des graines, est-ce qu'il va en avoir? Non, il n'y en a pas des graines. Donc, si même vous voulez trouver facilement des graines, c'est très facile. Vous faites un biome petit, un petit biome. Mais quand c'est petit, petit, eh ben vous allez voir, vous allez en trouver. Mais nous, c'est ce qu'on va faire pour vous prouver. Donc, parce que plus le biome est petit, plus les biomes de votre monde vont être étroits. Plus ce sont étroits, plus vous avez de chances de pouvoir le trouver. Vous voyez? Vous devez sûrement comprendre. Donc voilà, donc on va se créer vite fait un petit monde. On va aller dans nouveau, on va faire petit. On va mettre n'importe quelle difficulté normale. On va aller dans corrompu, dans corruption plutôt. On va mettre tuto YouTube. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce petit truc, donc pas d'instant, je vais aller. J'avais jamais essayé en fait auparavant de faire un monde corrompu. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a envoyé un message sur mon live? Alors, t'inquiète. L'auto-pouce bleu, voilà, technique très 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 connue. Comment avoir le meilleur bouclier du jeu, je les en de. Comme si c'était con, moi j'ai déjà. Alors, on va un peu checker là, comme ça, voilà. Donc, pendant ce temps, le temps qu'il y a le monde qui charge. Ça risque pas de prendre petit de temps que ça. On va aller sur Google. Donc, si jamais vous voulez en savoir. Si jamais vous êtes du style de gars qui connaissent pas les crafts, vous avez juste à taper Terraria. Terraria Wiki, voilà. Wikipédia, quoi, ça veut dire. Vous allez cliquer sur Terraria Wiki. Le premier lien ou n'importe lequel, c'est tous les mêmes. Donc là, ça va vous expliquer déjà sur toutes les versions que c'est. Donc si jamais vous voulez savoir, ça y est, sur toutes les versions. Donc moi, je l'ai sur 3DS, sur PC, sur PS4 et sur tablette. Alors ici, là, ici, vous avez donc vous avez le jeu en soi-même, là, les recettes, les habits. Ça, c'est le jeu en soi-même, là, le hard, le multi. Ça, c'est les bases du jeu, si jamais vous voulez savoir. Les recettes des crafts, les habitats, tout ça, ça, c'est la base. Après, t'as les nouveautés, des nouveaux trucs, contenu à venir et tout ça. D'ailleurs, il reste de jeter un coup d'œil après la vidéo. Ici, vous avez tous les objets, c'est pas si difficile. Donc, famille, monture, donc des sbires, voilà. C'est ce que moi j'ai, des sbires. Et puis, je vais bien vérifier parce que vous n'avez pas regardé. Est-ce que le mien, c'est le plus puissant comme sbire? Est-ce que. Le mien. Ah, tranquille, il est même pas mon sbire. Et il est même pas complet en plus, le Winkipé. Bon, mais le Wikipédia, je crois qu'en fait, il est pas réellement complet en fait. Bon. Par contre, je vais juste enlever la musique parce que c'est un peu grossier, voilà. Pour faire des histoires. On va retourner sur Terraria. Est-ce que Terraria, non? Voilà, donc vous allez aller ici. Après, vous avez les mécaniques du jeu. Donc, inventaire, mana, tout ça. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le mana, c'est la magie et tout ça. Le mana, les cœurs et tout ça. Alors, hop. Donc, je lag un peu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que quand je tourne une vidéo, voilà. Donc, est-ce que ça va marcher là un jour ou pas? Alors, après, vous avez environnement. Ça, c'est tous les biomes. Jungle, îles flottantes et tout ça. Donc, les îles flottantes, même à mon niveau à moi, parce que les gels de raid sur PC, eh ben, ils volent pas les filles. C'est ça le gros problème. Alors, vous avez le pré-hard et le hard. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le pré-hard et le hard. Le pré-hard, c'est avant que vous battez le mur de chair. Le mur de chair, c'est un peu la frontière entre le pré-hard, on peut dire. C'est un mur, voilà. Il s'appelle le mur et c'est de la chair.
Et une fois que vous le battez, vous allez avoir accès au mur, au pré-hard, au hard, où est-ce que dessus il va avoir de nouveaux biomes. What? Tu vas bien? De nouveaux biomes, de nouveaux PNJ et tout ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est rien ça. Si jamais vous avez des pubs comme ça, c'est rien. Ne cliquez surtout pas pour truc. Voilà. Donc vous avez un pré-hard, vous avez un certain nombre de PNJ. Et un hard, vous avez plein d'autres PNJ. Voilà. Et donc. Alors, tac, 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 on va remonter. Ici, vous avez tous les monstres. Enfin, pas réellement tous les monstres, parce que des monstres, il y en a plein, 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 plein. Ils te mettent les trucs, voilà. Ils te mettent. Donc, ça, c'est les ennemis rares. Événements, les boss et les boss hard. Parce que si jamais ils te mettent tous les monstres, on est un peu perdu. Donc, voilà. Événements, la lune de sang, la pluie, tout ça. C'est marrant, c'est la pluie. Il y a des c'est une pluie de slime, c'est très très marrant. Ah voilà, donc on va aller sur tuto YouTube, voilà. Donc il est actuellement en train de se lancer. Ça prend 10 petites minutes d'avoir un nouveau monde, donc voilà. Donc quand vous commencez le jeu, bien sûr, comme sur PS4, vous avez le guide avec les artisanats. Si jamais vous voulez savoir un certain artisanat, vous prenez par exemple l'objet. Vous allez placer ici. Si jamais il ne peut pas être placé, ça veut dire qu'il n'y a aucun artisanat. Si vous cliquez dessus et que vous mettez, vous avez juste à cliquer là et là, ça vous marque tous les crafts qu'on peut faire avec, vous voyez. Très très utile le guide au début du jeu quand vous ne connaissez pas les crafts. Ça ne peut faire aucun craft et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais monter un peu dans ma machine cheat. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on l'a. Parce que moi j'ai eu d'un serve. Donc si jamais vous n'avez pas ça, et bien vous avez juste à vous faire un pioche et puis creuser, voilà. C'est pas si difficile que ça en plus de trouver un biome champignon. Donc ça va beaucoup plus vite quand vous êtes en ça. Donc je vous conseille de l'avoir. Ça prend 2 minutes, vous tapez le nom d'une IP, vous tapez l'IP d'un serveur, vous allez le prendre. Si jamais vous faites une survie YouTube, et bien vous allez sur le wiki et puis vous regardez comment est-ce qu'on peut l'avoir. Mais je crois qu'il n'est pas sur le wiki. Vous allez juste à prendre le prénom de l'objet. Vous allez regarder. Voilà, j'ai marqué le prénom. J'ai mis ma souris dessus. Regardez. Voilà comment est-ce qu'il s'appelle. Voilà, et puis. Voilà comment est-ce qu'il s'appelle. Vous aurez juste à copier ça sur une feuille. À aller et puis taper sur Terraria, comment obtenir tel truc. Alors, sur PC, on a beaucoup plus de chances que sur PS4, je crois. D'avoir des choses comme ça sous terre, parce que sur PS4, je crois qu'on peut en avoir un peu moins. Je crois qu'on en a beaucoup moins. Alors, déjà, on va mettre tous mes mobs. Tac. Ça m'étonnerait que je meure en pré-hard. Donc là, on est en pré-hard parce que j'ai pas battu le mur de chair. Déjà, quand vous passez en mode hard, vous avez un nouveau biome, le biome purifié avec un l'intérieur des licornes et des fées. Voilà, donc c'est très utile. Alors, on a de la dynamite, pas très très intéressant. Voilà, je ne veux pas le cacher, mais bon, vu mon level. Aussi, qu'est-ce que j'aurais espéré trouver là-dedans? Rien d'intéressant, quoi. Alors, on va donc descendre, tac tac tac. Très très profond. Normalement, je vais juste regarder parce que j'ai jamais fait un monde petit sur PC. Normalement, un monde petit et un monde grand, il y a. Ok, donc. Non, il est quand même assez grand, quoi. Voilà. Après. Voilà, donc. Après, il y a combien de profondeur après? Ça! C'est facile! Alors, c'est mieux de miner là-dedans. Je vous conseille alors de venir dans des mondes possibles pour venir miner. Alors. Donc. Tac. Donc on va creuser là comme ça. On va creuser très 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 profond. D'ailleurs, aussi une autre nouveauté que sur PC. Donc déjà, quand vous appuyez sur Shift, on peut tout de suite le mettre. Là, il y a des raccourcis pour pouvoir mettre tout de suite l'objet à la poubelle. Voilà, ça c'est bien. J'adore cette musique. Alors, ce qui va donc se passer. C'est quoi ça? Ah oui. Donc, après, nouvelle nouveauté, comme je disais, il y a ça.
Par exemple, là, vous avez la carte derrière vous, tout ça. Ça, c'est votre truc sans la carte. Ça, c'est votre truc avec la carte. Ça, c'est sans la carte. Et ça, c'est carrément la carte. Donc, ça, c'est une petite nouveauté qui fait bien plaisir. Voilà. C'est bien, quoi. Une bonne petite nouveauté parce que. Eh ben voilà, regardez. C'est facile à reconnaître. Vous voyez un petit truc comme ça, là? Vous voyez un petit truc qui s'allume comme ça dans le. Un noir. Et puis voilà. Donc, là, je suis dans un biome. Donc, attendez. C'est bien, il y a déjà une baraque, tu sais. Donc, là, ce qu'il faut faire, vous allez vous prendre votre petite pioche ou votre machine, si jamais vous en avez une. Ah oui, ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi il y a certaines de mes montres qui sont un peu buggées. Parce que ça m'enlève ma dernière barre, en fait, que j'ai eue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est moi qui ai buggé ou si c'est. Voilà. On va donc. Vous allez prendre votre grosse machine et vous allez totalement, mais tout détruire. Totalement. Donc, tac, 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 tac. Il y a. On va jeter les graines de sac sans me faire peur. Hein. Tac. Donc. Okay. Alors, est-ce que nous allons réussir à en trouver? Normalement, c'est pas très très rare normalement de trouver. C'est même pas du tout rare. Toujours pas, ok. Si jamais après, c'est facile après d'en trouver. Une fois que vous en avez trouvé une, vous avez juste à creuser en ligne droite vers le côté. Vous verrez. Alors, allons-nous réussir à en trouver un hein? Déjà il est plein mon inventaire, non il est pas plein, ça veut dire que je pourrais. Normalement c'est pas si difficile normalement. Mais vous pouvez faire aussi le biome champignon en pré-hard. Il n'y a pas de difficulté à avoir pour voilà, pour y aller. Donc s'il n'y avait pas de graines, je vais quand même continuer à creuser, peut-être là par ici. Tac. On va creuser un peu. Ok, donc une fois que vous êtes. Une fois que vous avez. Si jamais vous n'avez pas trouvé de graines, c'est facile. Vous continuez à creuser là comme moi. Et bien, en même temps, mais vous obtenez en même temps des blocs de boue. Là, ici. Blocs de boue. C'est très très utile. Donc maintenant, si jamais vous n'avez pas trouvé, vous avez juste à creuser comme ça, sur le côté. Oui? Oui, attends, maman! Je suis en pleine vidéo. Alors, tac, tac, tac. Après, c'est pas si difficile que ça à trouver. En 2 minutes, c'est. En vrai, il n'y a pas vraiment de temps nécessaire en fait pour en trouver un. Hein. Ça dépend de votre rapidité. Si jamais vous avez une pioche rapide, vous allez en trouver un plus rapidement. Voilà quoi. Ça dépend de votre rapidité. Voilà. Après. Après, déjà. Ah, ben tiens. Boum, un coffre. Et surtout, en plus, j'ai pas trop compris à quoi servait ceci. Une corde en étoile. Avec plus 3 de distance. Waouh, trop utile. Mais bien d'accord, c'est trop utile. Non! Voilà. Les blocs coincés. La chose la plus horrible de la Terre. Toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Tac. Donc après, moi je disais que c'était facile, mais moi ça m'a pris une bonne heure en fait pour trouver des graines comme ça. Une fois que vous avez compris le truc après. Mais c'est sûr à 200%, j'ai pas de graines. Putain, c'est dommage qu'elle n'en vende pas là, la dame.
Mais non, mais il n'y en a pas. C'est horrible. Donc pour battre le mur de chair aussi, il faut une poupée du guide. Comment est-ce qu'on a une poupée du guide? Normalement, il y a des diables, des petits diables comme ça. Des petits diables qui tiennent une poupée dans leurs mains. Normalement, c'est facile à voir la poupée dans leurs mains. Vous voyez quand même assez facilement. Donc. Non, mais il n'y a pas le biome champi. C'est pas possible, ça fait depuis après que je mine. Pas un petit biome champi dans ce putain de minimum. C'est en train de me faire louper ma vidéo. Voilà. Alors. Vous savez quoi? On va aller donc. Tac, sauvegarder et quitter. C'est parce que ça m'a cassé les couilles. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans. On va aller dans un joueur, toujours. On va aller dans Bibule. On va aller sur Topitopia. C'est mon monde. Topitopia, il s'appelle comme ça. Donc, une fois qu'on est sur. Une fois qu'on est sur le monde. Pendant ça, attendez 2 minutes. J'appelle vite fait. Un de mes potes pour un truc. Je vais juste. Enfin, attendez. 2 minutes. Attendez, les gens. Ok, il n'a pas répondu. J'ai essayé d'appeler sur son portable fixe. C'est un truc important. Allô, Étienne? Tu peux venir cet après-midi? À 2h30 à Royal Tube. Alors, Étienne. Bon, tapis à plus. Ciao. Ok, donc il va pas, c'est bon, on est calé. Ah, c'est du rap, ça. Ça, c'est de la musique. Alors, technique facile pour pouvoir trouver des biomes champignons. Vous suivez les rails, vous verrez, il y a des rails. Parce que les mineurs, on les trouve dans les biomes champignons. Et si on n'est pas con, eh bien les mineurs. Ah ben, ils mettent des rails, comme dans Minecraft. Ouais. Donc, si jamais vous trouvez par hasard des rails, eh ben, vous vous mettez dessus. On n'a pas besoin de chariot. Par contre, sur PS4, il n'y a pas de rails. On n'a pas besoin de chariot pour monter dessus. Il suffit juste de monter dessus, c'est tout.
Vous verrez. T'es en sang. T'es en arrêt de parler. Oh, t'es en sang. T'es en arrêt. Oh, t'es en sang. C'est par contre ce qu'on est à moitié la musique, le gars qui dit n'importe quoi. Cette musique. Trop bien. J'ai pas dit. Par contre, j'ai juste invoqué mes sbires parce qu'en mode hard, c'est important, je vous le dis. Panam, tout Panam. Panam, c'est Panam. Tout Panam, tout Panam. C'est tranquille. Ok, ça risque d'être long pour descendre tout en bas. Donc, c'est le type d'une vidéo à être long. Alors, on va descendre. Alors maintenant, tac, donc, on va juste se casser, tac, tu vas vite te casser là, tac, on va essayer d'aller le plus vite possible pour ne pas vous faire attendre. Casse-toi, qu'est-ce que tu veux? Accroche-toi, mais accroche-toi! Oh, conve. Conve. Si tu savais t'accrocher, tu verrais, t'auras pas de problème comme ça. Ok, c'est le mauvais rail, je crois. Toupana, toupana. C'est pas nam. Nam, tout pas nam. On est parti. Ah, c'est F pour moi. Oup, pas nam, c'est pas nam. Pas nam, tout pas nam. On est parti. Parlez, parlez. C'était par où déjà que j'étais partie? Ce matin. C'est encore plus bas. C'était où déjà? Ouais, j'ai appelé Étienne au fait, maman. Il veut pas. Il veut pas? Non, il peut pas. Sinon, il serait venu. Sinon, il faut qu'on remonte maintenant. Ils sont en train de me casser à la couille. C'est fou.
Une remontée à fort. What? Non, mais il y a mon antigravité et casse-toi, mon antigravité. Mais arrête! Putain, l'antigravité de merde là! Je vous jure, ne jamais avoir des potions d'antigravité sur soi, regardez. C'est chiant, donc c'est pour ça qu'on va annuler l'antigravité. Voilà, donc casse-toi. Ouais, ça va être très très chiant de l'avoir remonté. À rien cette petite plateforme. La flemme d'utiliser le truc à côté. On va creuser. C'est très très chaud. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Alors, j'allume mon petit ventilateur. On est en train d'arriver là actuellement. J'ai la grosse flemme de passer par les passages, donc on creuse. Donc parfait. Donc maintenant qu'on est donc ici, on va suivre les rails. Tac, vous avez suivi les rails. Ok, c'est bon. C'est bon. On est en train d'y arriver. Vous allez bien voir que j'ai bien défoncé des mondes. Mais arrête de... Donc on va vite. Va être un long épisode. Donc aujourd'hui, là, ce qui va donc se passer, c'est que voilà, chauve-souris est esquivée. D'où tu m'attaques? Et bien, elle comme musique. Alors, ce qui va donc se passer, c'est qu'ici, il y avait un gros biome ici. Comme vous voyez, il reste un peu des blocs. Donc, on va d'abord les casser. Hein? Toujours pas eu de graines. Repose en paix. Je suis passé par ici. Je me suis dit, allez, je vais creuser. Et j'ai encore trouvé un biome. Mais j'ai aussi détruit tout le biome entier.
C'est horrible ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre mon petit frère qui a fait tomber une pièce de Lego dans son caca. Ce serait pas peut-être un peu plus horrible. Cassez-vous les cristals de santé. J'ai des atouts toute ma vie, toi aussi, là, casse-toi. Va falloir maintenant que j'arrive à trouver un biome, en creusant par exemple dans ce sens-là. Le cristal de ben non, il n'y a pas de biome bleu. Eh ouais, comparé à genre, il n'y a pas de biome bleu. Les gens, c'est en train littéralement de me casser les couilles là. Je n'avais pas prévu que la vidéo soit aussi longue, cette putain de vidéo. Ça parce que j'ai pas une putain de graine. Alors que pourtant cet après-midi, j'y arrive tellement facilement. J'ai au bout de 2 minutes, j'avais déjà une graine. Si dans l'eau. On va avancer tout droit, comme ce que j'avais fait ce matin. Tout droit jusqu'à ce qu'on arrive à en trouver un deuxième de biome comme ça. Fume à fond, fond. Change, fume à fond, fond, fume à fond. Un peu de minerai là. Je gêne pas au passage. Oui, vous savez quoi? Regardez. D'abord monter. C'est bon. Je sais qu'il y en a un deuxième là de Rise, je le vois juste à côté. Donc, on va d'abord descendre. Ouh. Casse-toi, sale bête. Je vais aller dans leur trail parce qu'il y en avait une autre. Ok, mais on va descendre maintenant comme un fou sur mon train rail. Enfin, sur mon chariot. Ok. Et
Ok, donc F, on prend une petite potion. Ça fait bien plaisir. Déjà, qu'est-ce qu'il y a déjà en montant? Oh! Une petite trouffe en plus. Go, il y a la reine des abeilles qui vient de surveiller. C'est vraiment pas visé. Aïe, ça m'a pas fait voler. Pas facile, mais bon. Ah, on vient d'en avoir un là, le petit sac. Regardez là. On va aller ici. On va aller dans. Ça. A plus, à 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 plus. Là, on a un sac à trésor à veille, on a juste à l'ouvrir et voilà ce qu'on a obtenu. Or ça, poubelle, 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 la rouge poc. Le tir à abeille. On va d'abord se crafter des bouteilles à abeille, pot de miel. Ça fait du bien ça, des bouteilles abeilles, je vous le dis. Ça vous régène la vie, et ça fait du... Regardez quand même. 80 PV. Et puis en plus, je crois qu'en plus, après... Après, grâce au truc de... Grâce à l'état de potion, je pourrais faire de meilleures potions comme ça. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc là, on va suivre le chemin. Bim, j'ai bien fait de suivre le chemin, notre ail. On suit les rails. Toujours suivre les rails quand vous voulez trouver un biome champi. Oh oui. Ne faites pas comme moi. Si jamais vous n'avez pas du bon stuff, n'allez surtout pas dans la lave, compris? Moi, je suis habitué, moi, à aller dans la lave. Oh! Oh! Oh là là! Eh oui, monsieur! Eh oui, monsieur! Bim, bim, zbré! J'ai découvert le temple. Et ouais, monsieur, vous n'étiez pas prêt à ça, hein. Ici, ça m'a mal découvert, ici, la jeune. Bim, monsieur, bim. Zbré. Combien de... Qu'est-ce que tu fais? Putain, mec, laissez-moi tranquille un peu. On ira la faire dans un autre épisode, ça. Est-ce qu'il a? Bien content là, j'ai vu. Bon, à mon avis, vous avez sûrement compris comment est-ce qu'on fait. Attendez. Est-ce que quand je me mets en mode comme ça, est-ce que je peux détruire ça? Ah, mais oui, ça le détruit facile!
Ok, bon, on se fera ça dans un prochain épisode. L'instant, on va essayer d'aller. Bon, en tout cas, les gens, si aimez cette vidéo, vous aurez plu. Parce que j'ai pas réussi à voir les graines, je suis désolée, mais bon. What? Graines déclinaires. Je veux pas vous mentir, mais je sais pas du tout ce que c'est comme graines. Donc, vous savez quoi? Pour ces graines-là, et on va les tester directement dans ces graines. Je sais pas s'ils se mettent sur des blocs debout ou s'ils se mettent déjà sur des blocs normaux. Toujours pas le monsieur champignon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos blocs debout. Des blocs debout qui sont là-dedans. On va monter super haut. Super haut, haut quoi. Bah, quand même. Pas quand même si haut que ça parce que sinon après ça va être un peu embarrassant. Eh ben ah oui ouais c'est vrai putain il faut que j'appuie sur R j'avais oublié. 4. Voilà. Donc là, si vous voulez savoir, en fait, là j'ai juste la meilleure planche du jeu, mais sinon après ça tourne bien. Alors, ce qu'on va faire pour l'île, c'est que il faut quand même que ce soit une grande île. Même si vous faites ne serait-ce que trois blocs, ça va marcher. Sauf que vous aurez rien comme espace, je veux pas dire, mais bon, vous aurez rien comme espace. Et voilà quoi. Donc, je vous conseille de faire un bloc, un truc d'à peu près 100 blocs de long. Bloc, c'est rien du tout. Un truc de 100 blocs de long, ça peut aller. Hein. Non, même pas. De 300, peut-être. Après, ça dépend après quoi, de comment est-ce que vous la voulez, votre île. Moi, je la veux quand même assez grande, donc. Une île assez grande, on va essayer d'aller le plus vite possible. Donc, on va créer l'île. Donc, je vais pas trop parler pour l'instant. Non, en fait, je vais parler. Alors, une fois qu'on a donc là, c'est là, c'est ça sera la ligne droite de notre île. Donc, je vous conseille de faire un peu plus profond parce que une île toute plate, c'est un peu dégueulasse. Après, ça peut marcher, mais c'est un peu dégueulasse. Vous avez juste à faire. Moi, je fais des îles un peu du mieux que je peux. Donc, ça prend quand même assez de temps pour faire une île, mais à la fin, vous êtes. C'est pas si dégueulasse que ça. C'est-à-dire que j'aurai un nouveau biome, s'il faut, ce sera le biome jungle. Mais je vais essayer en fait d'avoir tous mes biomes à la surface, comme ça, j'aurai pas besoin à chaque fois d'aller dans la jungle. Pour pouvoir avoir des mobs jungle. Oui, parce que les mobs, ils spawnent même au biome que t'as fait en hauteur. Plus votre île sera grande, plus elle prendra temps à faire. Donc, regardez, on va faire ça quand même assez rapide. Donc, on va faire. Commencer par ici.
Aurais-je reçu peut-être là? Oh, de likes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu. Alors, on va donc continuer à faire là notre petite île. Après, je l'améliorerai un peu plus tard, mais mon île, ne vous inquiétez pas. Peut-être que ça va suffire là comme ça. Voilà. Je vais la laisser là comme ça. J'ai pas trop envie de me faire chier. Après, donc, une fois qu'on a fait ça, vous prenez vos petites graines, vous allez les planter comme ça. C'est quoi ces graines? Ne dis pas que ça pousse sur de la terre. C'est un troll. Bah si ça pousse sur de la terre, allez tous vous faire enculer. Je sais pas, attends. Oh, d'ailleurs ça a repoussé par ici. Peut-être qu'avec un peu de chance, ben, on aurait là, peut-être des graines. Avec un peu de chance. On va prendre ma petite arme. Toujours pas de graines. Donc il pousse tout seul après les arbres champignons. C'est bien. On va laisser ça à côté. Est-ce que il y en a là pousse sur cette île-là, s'il vous plaît? Eh ben non. Je pense que ça pousse, donc c'est pour ça qu'on va donc. A plus. Au pire, ça fera une île après pour un peu plus tard. Donc. What? Ah, la soucoupe volante. Donc, après. Faut après créer votre petite île comme ça. Vous suffit juste après d'avoir des graines. De faire une île comme ça. Et puis vous positionnez les graines comme on a fait pour la île purifiée. D'ailleurs, regardez. L'île purifiée, d'ailleurs, eh ben, elle s'est propagée, les graines qu'on a mis sous la truc. Et voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, eh ben, elle est purifiée de A à Z. Donc, si jamais les gens, ce tuto vous a plu et que vous aimeriez bien d'autres tutos de ce type-là, d'autres tutos de type débutant, quoi, des tutos pour ceux-là qui viennent de débuter sur le jeu, n'hésitez pas à me le dire. Oups, c'est qui? Marabout. Oh! Bon, on va aller voir ce petit PNJ et on revoit. Et puis, on va couper la vidéo. Monsieur PNJ, vous n'avez pas le droit d'habiter ici, normalement. Vous n'avez pas le droit. Ici, c'est réservé à Monsieur Champignon, vous comprenez? Mais je sais même. Enfin, je regarderai dans une autre vidéo, au pire, comment est-ce qu'on a. Alors, fontaine d'eau pure, fontaine d'eau. On va lui en acheter une. On va mettre cette petite fontaine d'eau là. Vous êtes. Oh! C'est stylé. Et ciao tout le monde, les gens. Enfin, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et ciao tout le monde. À plus!